L'Italie redevient le premier producteur mondial de vin, détrônant ainsi la France qui redescend sur la deuxième marche du podium devant l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Les dernières estimations des vendanges 2015 montrent une production de raisins en hausse de 13% en Italie, qui aurait ainsi récolté plus de 48 millions d'hectolitres contre 46 millions pour la France et 36 millions pour l'Espagne, ces trois pays représentant à eux seuls près de la moitié de la production mondiale. Dans l'ensemble de l'Union européenne, la production vinifiée atteint 163 millions d'hectolitres. Comme chaque année, c'est la météo qui a fait la différence. Les vignes italiennes ont bénéficié de conditions plus favorables que l'an passé, alors que les vignobles français, qui affichent des rendements en baisse de 1%, ont davantage souffert de la sécheresse, mais moins de maladies liées à l'humidité, ce qui est un bon signe pour la qualité du vin. Les experts disent s'attendre à un très bon millésime 2015.